Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo Vénus carré Neptune qui va avoir lieu à peu près du 17 au 21 janvier. Un moment qui va venir nous parler de cette planète que l'on a du mal à comprendre, qui est Neptune, et qui spiritualise tout ce qu'elle va venir toucher. Alors, je lisais un ouvrage sur Neptune qui disait que nous n'avons pas encore saisi toute l'ampleur de cette planète. Nous la comprenons essentiellement à travers ses volets négatifs. Vous savez que chaque planète a un volet positif et un volet négatif. Eh bien, on a un peu trop tendance à penser et à réduire Neptune sous l'angle de l'illusion, du mensonge, de la trahison, du floutage, de quelque chose d'irréel, d'irresponsable, la fuite de soi, la dépression, l'alcoolisme, la drogue. Tout ça, ce sont des aspects négatifs. Et je pense que Neptune a un côté qui est complètement différent, qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus absolu, qui est cette capacité à nous connecter au divin. Ça amène aussi une forme de richesse, parce que avant, eh bien, la richesse venait par la mer. C'était les messageries maritimes, c'était les grands échanges commerciaux, c'était le commerce avec les Indes, avec la Chine, c'était les transits de la soie, de l'or, de l'ivoire, des épices, et tout le commerce international s'est fait par voie maritime. J'avais parlé dans une nouvelle lune que le commerce maritime pour 2024 allait être touché, et j'avais fait juste, puisque j'avais anticipé, j'avais prévu ce qui malheureusement est en train de se passer en mer Rouge. Donc, durant cette période de Neptune carré Vénus, il est fort à parier qu'il va y avoir des tensions en mer, des soucis en mer. Mais ce n'est pas uniquement ce que vient raconter ce carré avec Neptune. Neptune, il y a une dimension de lui qui nous échappe. Il y a une dimension qu'on n'a pas encore saisie. Il représente aussi le cinéma, la photographie et un art qui est un art religieux. Neptune va représenter la religion. Dans ses fondamentaux, Neptune vient aussi me parler d'une manière de vivre la religion qui n'est pas apaisée, qui est extrémiste. Donc, dès que j'ai un carré à Neptune, en plus Vénus est souvent le Moyen-Orient, eh bien, il y a fort à parier que dans cette période, on va encore me parler d'extrémisme, malheureusement. Et pourtant, j'ai parlé du côté positif de Neptune, qui est un autre monde, qui est un autre univers. Neptune, il vient me parler aussi du jardin d'Éden, du paradis. Il vient me parler de quelque chose. Alors, Baudelaire en a parlé, hein, c'est les paradis artificiels, mais peut-être qu'il y a possibilité de faire de cette terre un jardin, ce que l'être humain a un petit peu perdu de vue. C'est-à-dire, je pense que nous étions à l'origine, si tant est soit-il que nous ayons une origine divine, une origine céleste, aussi là pour protéger cette terre qui nous entoure, et peut-être pas pour la piller comme nous faisons à l'heure actuelle, et encore moins pour la détruire. Je pense que si on resitue l'être dans une dimension céleste, nous sommes quelque part les gardiens de l'environnement qui nous entoure et le but est de le protéger pour le transmettre aux générations futures. C'est ainsi que nous avons toujours procédé. Et l'homme moderne, eh bien, il est en rupture avec ça. Et dans la période de carré, on vient aussi me raconter que je ne peux pas tout décider moi-même, je ne peux pas me rendre maître de tout. Mais il y a quelque chose de très précieux à conserver, à protéger et à transmettre. Alors Neptune, il vient aussi me parler de quelque chose. Je l'ai eu cette semaine un petit peu en intuition. Il vient me parler aussi des univers dystopiques. Alors, pourquoi les univers dystopiques? Parce que il vient me montrer un autre univers, un univers parallèle, un univers en marge du mien, qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui peut se réaliser, qui est de l'ordre du possible. Alors, il y a chez Neptune, c'est intéressant quand on lit des auteurs qui disent qu'on ne connaît pas totalement la puissance de cette planète, il y a quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui est flouté, comme la mer. La mer, c'est un élément qui est incontrôlable. Je suis marin, je navigue, je vis sur un voilier. Quand il y a une tempête, on reste au port. On ne va pas chercher dehors l'affrontement avec les éléments parce qu'on est sûr de perdre. Donc face à Neptune, ça nous demande beaucoup d'humilité, beaucoup de compréhension et beaucoup de recul, déjà.
sachant qu'il y a une partie de mon destin ou du destin du monde qui m'échappe complètement et qui parfois même échappe à ma compréhension. Neptune, carré Vénus, ça m'a fait penser à une forme d'idéologie où on va fantasmer sa propre destruction. Je pense notamment à des films qui parlaient de catastrophes. Ce film qui a beaucoup marqué les gens de ma génération, qui était La Tour Infernale. Alors, c'était un film assez terrifiant. C'était bien sûr un fantasme. Neptune, c'est le fantasme. Et Ben Laden, qui avait vu ce film, a été marqué par ce film. Et nous savons ce qui s'est passé au moment des tours jumelles. Et il y a eu un retour en arrière, d'ailleurs, du cinéma américain, de plus projeter ces formes de fantasmes mortifères dans le réel, dans un film qui va impacter l'inconscient. Nous savons que nous avons une capacité cognitive à nous relier les uns aux autres, à nous connecter les uns aux autres. Et en fonction des éléments que nous allons envoyer à cet inconscient collectif, eh bien, ça va fonctionner de telle ou telle manière. Si nous rentrons tous ensemble collectivement dans un fantasme de destruction à court terme, à moyen terme, à long terme, eh bien, il y a le risque que ce fantasme se produise simplement parce que notre conscience l'imagine. Alors, c'est très intéressant parce que avec les ordinateurs quantiques, ils se sont aperçus que lorsqu'il y a un certain nombre de requêtes sur des sujets anxiogènes, eh bien, en compulsant ces requêtes, c'est-à-dire qu'il y a une anxiété globale qui va monter sans raison, en dehors de tout signe d'alerte, il y a des moments, il y a des poussées d'angoisse collective. Et dans ces angoisses collectives, il va se passer des événements boursiers. Il y a une corrélation entre les deux. Et donc, Vénus carré Neptune, ça vient me parler aussi de ça. Ça vient me parler d'une bouffée d'angoisse collective qui va s'appuyer sur un événement. C'est possible. C'est possible que du 17 au 21, il y a un événement qui concerne le Moyen-Orient. C'est tout à fait vrai, d'autant que Israël est en ce moment devant le tribunal de La Haye, et ça va venir me parler des nouveaux équilibres au Moyen-Orient, sachant que l'Arabie Saoudite, qui était en pourparlers avec Israël pour établir des accords, eh ben, ces accords ont été gelés par ce qui s'est passé à partir du 7 octobre, mais l'Arabie Saoudite envisage de reprendre ces pourparlers à condition qu'un État palestinien soit créé. On voit bien que ça vient nous parler de quelque chose qui est carré. Ça ne se fera pas dans la facilité et l'accouchement ne se fera pas dans la joie des uns et le partage des autres. Quelque chose d'un petit peu qui reste coincé en travers du gosier, si je puis m'exprimer ainsi. Dans le Moyen-Orient, Neptune est très présent, hein. C'est des cycles très très présents au Moyen-Orient. Et il y a aussi Vénus qui est très présente au Moyen-Orient. Donc s'il y a des événements, je pense que c'est plutôt là-bas. Pour revenir à Neptune, Neptune, il va parler de projection, il va parler aussi de fantasmes. Alors avec Vénus, ça peut me parler de fantasmes érotiques, ça peut me parler aussi d'hyper-romantisme, quitte à imaginer une relation, c'est-à-dire je peux démarrer une relation avec Vénus, carré Neptune, mais la personne que je vais rencontrer ne va pas être prise en tant que personne, en tant qu'individu. Elle va être prise en tant que support de fantasme. C'est-à-dire, je ne rencontre pas une personne, je rencontre un principe, je rencontre un rêve, je rencontre ma propre illusion, je rencontre mon propre désir. Vénus, c'est la chair. Avec Neptune, on va parler d'hyper-romantisme, on va parler d'idéal du moi, on va parler de quelque chose qui me transcende. Alors, ça, c'est dans le côté positif. Mais par contre, je peux très bien rentrer aussi dans une forme de mensonge. Un mensonge parce que j'ai une illusion. C'est-à-dire que la relation à l'autre, par exemple, si je prends cet aspect d'un point de vue individuel, et vu que je saute un peu du coq à l'âne, je m'en excuse, parce que d'un coup je parle en mondial, et puis là je reviens au personnel, parce que c'est important aussi de voir dans mon thème ce que ça va venir raconter, surtout pour les personnes, par exemple, qui en natal peuvent avoir cet aspect. Eh bien, j'ai tendance à m'illusionner. J'ai tendance à ne pas être dans la réalité. Pourquoi? Peut-être parce que la réalité me fait trop souffrir. Peut-être que je n'ai pas la capacité à affronter le réel. Et donc, du coup, je vais flouter.
Je vais masquer tout ça. Vénus Neptune, elle vient me dire que je cherche peut-être la relation idéale, idéalisée, mais à force de chercher l'idéal, ça ne peut pas descendre en concret. C'est-à-dire le concret, la matière, c'est Vénus, c'est l'octave inférieure de Neptune, c'est ce qui va parler aux humains, parce que Neptune, il ne peut pas nous parler directement, c'est le dieu des eaux, c'est le dieu des océans, il est dans le fond du bas. Par contre, Vénus, c'est ce qui va me parler de compassion. Avec un carré à Neptune, est-ce que j'arrive à rentrer dans cette compassion? Et surtout, est-ce que cette compassion va être entendue au point de vue global? C'est-à-dire que c'est bien de m'interroger, moi, sur ma vie, sur mes registres, mais comme j'ai dit dans la vidéo sur Saturne, Saturne en poisson, je ne peux pas être prise simplement, moi, en tant que personne indépendante. C'est-à-dire qu'il y a le moi, mais il y a aussi le groupe, le pays, le monde dans lequel j'évolue, le contexte. Et c'est important d'affronter cette réalité. Je reçois des personnes qui me disent, je ne comprends pas, tout bloque dans ma vie. Pourtant, je suis alignée sur ma mission de vie, je fais ce que j'ai à faire, il n'y a rien qui s'ouvre. Parce que ces personnes, malheureusement, ont oublié l'idée du contexte. C'est-à-dire, je ne suis pas indépendant du contexte qui m'entoure. Il y a une interaction, il y a un agissement. Je ne dépends pas totalement de ce contexte, mais je ne suis pas totalement libre par rapport à lui. Neptune, il vient me raconter une histoire de destin et de destinée. Il y a très peu d'éclairage sur Neptune. En plus, les bons ouvrages, ils ne sont pas traduits. Il y a beaucoup de bons ouvrages qui sont anglo-saxons, ils ne sont pas traduits. Et donc, on essaie de comprendre par le ressenti, par l'intuition, par cette connexion intime, ce que ça peut vouloir venir nous dire. C'est-à-dire que je porte en moi des fantômes. Alors, des fantômes qui peuvent être transgénérationnels, des fantômes de culpabilité. Ça, c'est un aspect où on va toucher du doigt sa propre culpabilité. Et au lieu de me rendre responsable, ce qui est le sens d'un Neptune, surtout d'un Neptune qui est en poisson et qui va bientôt être touché par Saturne, eh bien, j'ai le risque de tomber dans une forme de culpabilité. J'ai le risque de tomber dans quelque chose qui va me détruire, dans quelque chose qui va m'amoindrir, dans quelque chose qui va raconter un manque de confiance en moi, une dégradation de moi, une dégradation de l'idéal du moi, au lieu de me parler de transcendance. Si j'inverse le principe, je laisse de côté le manque de confiance en moi, ma dévalorisation, mon syndrome d'imposteur, et je monte sur l'échelle de Jacob. Alors l'échelle de Jacob, c'est une échelle qui part du bas et qui monte vers le haut. C'est le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, c'est la Merkaba, c'est le char céleste. J'y reviendrai plus largement quand je ferai une grosse vidéo sur Neptune, parce que là, sinon, ça va, pour un petit aspect, ça va m'amener trop loin. Mais Neptune a à voir avec l'idée, le fantasme de l'Apocalypse. Ça ne veut pas dire que sur un aspect comme ça, il va y avoir une apocalypse. C'est pas ça. Mais nous avons en nous, au plus profond de nous, une espèce de fantasme de finitude. Et dans les périodes où Neptune reçoit un aspect, a fortiori de Vénus, il vient me confronter à la fin de ma propre chair, à la fin de ma propre incarnation. Et donc, si je finis mon incarnation, je suis obligée de me relier sur la part la plus essentielle, la plus authentique, et la plus subtile de moi-même qui est mon âme. Et Neptune a à voir avec l'âme, l'âme que j'ai, l'âme que je possède, et l'âme qui est l'interface, qui est l'échelle de Jacob, en fait, entre le sacré, la source et moi-même. Alors Neptune, il vient me raconter aussi avec ce carré Vénus que j'ai un besoin de beauté, j'ai un besoin d'absolu, j'ai un besoin de transcendance. Est-ce que ma vie, c'est uniquement métro, boulot, dodo? Neptune, il a besoin d'autre chose. Dans ce carré à Vénus, il vient me raconter que j'ai besoin de choses plus élevées. J'ai besoin de beauté, par exemple. J'avais un rendez-vous ce matin avec une artiste et je lui expliquais que la beauté, c'est aussi ce qui nous reconnecte au divin. C'est-à-dire de partout dans le monde, les bâtiments religieux sont magnifiques parce que ça permet une élévation de l'âme. Alors, aussi bien les cathédrales, Notre-Dame,
les cathédrales, les églises à Florence, à Venise, c'est magnifique. Les mosquées, moi j'ai visité la mosquée Bleu d'Isfahan, c'est splendide. Les synagogues, je pense à celle de Florence, qui est la plus belle d'Europe. Il y a quelque chose qui élève l'âme. Parce que la beauté, eh bien, ça nous spiritualise. Et alors même qu'on passe par la matière, il y a quelque chose d'une élévation, il y a quelque chose d'une transcendance. Et ce besoin neptunien qui est en chacun de nous, il vient nous inviter à nous connecter à ce sens du juste, à ce sens de la beauté, à en faire l'expérience. Dans quelques jours, je vais prendre 2, 3 jours, hein, début février, pour aller j'amène ma fille au carnaval de Venise. Comme j'ai dit plusieurs fois, hein, je me déplace très, très facilement depuis Malte. J'ai la chance d'avoir Ryanair et des billets d'avion à des prix défiant toute concurrence, parce que j'ai besoin régulièrement de me reconnecter sur cette beauté. Cette beauté, elle vient me raconter cette transcendance, cette immanence. Il y a une alliance de l'ineffable, parce que Neptune, c'est l'ineffable, c'est ce qui ne peut pas être cerné, c'est ce qui ne peut pas être dit, c'est ce qui ne peut pas être montré, c'est, je dirais, c'est presque ce qui ne peut pas être prononcé, c'est le nom divin qu'on murmure, qu'on chuchote, qu'on symbolise, qu'on peut écrire mais ne jamais dire. Et comment il va se manifester en moi? Eh bien, il va se manifester en moi par une forme d'alliance. Et ça passe par la chair. Toutes les alliances sacrées passent par la chair. C'est-à-dire, je suis invitée à recevoir d'une certaine manière cet amour divin en moi. Quelque chose de très, très connecté, de très sacré. Quelque chose d'éternel, hein, de divin. Quelque chose qui peut nous faire monter, qui peut nous transcender hors de notre quotidien. Alors bien sûr, ça vient parler de la chair, du rapport au corps, du fantasme. Et c'est pour ça que je pensais à Venise, parce que on porte un masque, donc on triche, on ne se montre pas tel qu'on est. Et je ne sais pas qui est derrière le masque. Et ça fait ressortir la beauté, ça fait ressortir le désir, ça fait ressortir le féminin. Et c'était à une époque où il y avait un très gros contrôle de l'Église sur la sexualité, par exemple. Eh bien, il y avait besoin d'évacuer les pulsions. Et avec Neptune, il y a aussi question des pulsions. Il y a ce côté complètement transcendant, hors de la chair, mais il y a aussi, par l'intermédiaire de Vénus, une pulsion sexuelle, sensorielle, qui a besoin de se vivre. C'est l'alliance, en fait, Shiva et Shakti. C'est le tantrisme. C'est en dehors de la règle. Même si Neptune peut me montrer une règle divine, une règle religieuse, c'est tout et son contraire. Pour ça que c'est compliqué, Neptune. Si je suis trop dans le monde de Neptune, je suis dans la transcendance, mais je ne suis pas dans l'humanité. Vénus, elle est dans l'humanité. Par contre, Neptune, je suis dans ma tour d'ivoire. C'est le moine qui s'est. Alors ça, c'est Saturne, hein. Le moine qui est retiré dans une grotte. Mais sa prière, la pureté de sa prière, c'est neptunien. Mais il n'est plus dans la chair. Il n'est plus dans une réalité. Et c'est ça le problème. C'est que Vénus carré Neptune, ça vient me confronter à la réalité de mon incarnation. Comment je peux être un être de lumière si j'ai un quotidien? Si j'ai un quotidien qui est complètement déconnecté? Donc c'est un aspect qui vient m'inviter à me réaligner sur mes besoins. Ce qui vient m'inviter à me réaligner sur ce que je suis au plus profond de moi. Il y a Vénus qui vient me parler, puisqu'elle touche Neptune, elle se spiritualise. J'ai besoin de monter. Et c'est thérapeutique. C'est-à-dire que ce besoin de beauté que j'ai en moi, c'est aussi ce qui me permet de recevoir cette connexion. J'ai reçu des messages et je vous remercie pour vos très nombreux messages sur la chaîne. J'ai pris un peu de retard pour vous répondre. Je vais essayer de le faire là. Ce soir, je vais prendre un instant. Mais ça me touche beaucoup. Quand vous dites, vous êtes inspiré. Alors, il y a une grosse technique quand même. J'ai appris l'astrologie. Je travaille beaucoup. Mais il y a quand même une connexion avec les planètes. Bien, c'est justement parce que je respecte ce besoin que j'ai moi-même de rentrer par cette connexion infime sur la beauté. Et que c'est ça qui me permet d'ouvrir
ma conscience, d'ouvrir mon sentiment de reliance, parce que c'est le moyen que j'ai utilisé pour faire une interface entre Vénus et Neptune. Parce que quand je reçois une information de l'ordre de Neptune, je ne suis pas toujours certaine qu'elle soit juste ou pas. Et c'est ma connexion par Vénus, donc ma propre chair, qui me permet de l'incarner et de la faire descendre et de la dire. Vénus, c'est la parole. C'est la parole de qui va se révéler être juste. Alors, vous allez me dire, mais c'est un carré. Comment ça peut être juste? Mais parce que Neptune, il va venir changer ça. C'est-à-dire que si je suis reliée sur la bonne histoire, si je suis reliée sur la bonne énergie, peu importe que ce soit une conjonction, un carré, une opposition, il y a quelque chose qui va me faire grandir, il y a quelque chose qui va me faire me transcender et je vais me reconnecter sur l'essence même. Vénus-Neptune, il amène une vision spiritualisée. Alors ça peut être moi qui rencontre un lieu, qui rencontre un endroit avec lequel je suis très en affinité, mais c'est moi qui peux rencontrer aussi une personne. Et une personne qui va venir me montrer quelque chose de différent, quelque chose de captivant, quelque chose qui va m'obliger à me transformer. C'est-à-dire, ça peut être la rencontre, par exemple, avec une flamme jumelle. On peut traverser avec elle des moments difficiles, des moments même terribles, mais ce sont des moments profonds, durables, qui vont me transformer, qui vont me faire monter. C'est ce que j'ai raconté dans une vidéo sur les flammes jumelles, sur mon autre chaîne que j'anime aussi, où je suis un peu moins présente que celle d'astrologie, où la rencontre avec l'astrologie s'est faite suite à une déception amoureuse. Eh bien, j'étais sur un carré Vénus-Neptune. Et là, c'est une histoire d'âme. Ça a été une histoire de destin. Ça a été au-delà d'une réalité incarnée. Et cet amour s'est inscrit dans l'absolu. C'est-à-dire, ça n'a pas pris forme humaine. Et du coup, ça s'est inscrit dans une sorte d'idéal. Le carré Vénus-Neptune, alors en plus, il se reforme hein, de temps en temps. Donc, ça va être valable. Mais là, Vénus est en Sagittaire. Donc, il faut quand même que je prenne la coloration du Sagittaire, qui est la maison 9, qui est la maison du guide, qui est la maison de l'élévation aussi. Hein. Le Sagittaire, il monte vers le Capricorne. Quelque chose de très initié dans le Sagittaire. Ça vient me parler aussi d'une forme d'amour romantique, Roméo et Juliette. Mais Roméo et Juliette, est-ce que cette histoire aurait pu s'incarner dans le réel? Mon grand amour avec lequel j'ai commencé à vivre dans l'absolu, bah, dès que ça revient dans le réel, on est pris dans un quotidien. La vaisselle, les enfants, les impôts à payer, la voiture qui tombe en panne, le chien à sortir. Il y a quelque chose d'un idéal qui, de toute façon, va mettre de côté. Je dirais que l'amour absolu, il n'est pas forcément incarnable. Et c'est ça aussi que Vénus, carré Neptune vient me raconter. C'est-à-dire que je peux, il y a des personnes qui ont une Vénus ou un Neptune en maison 12. Peut-être plus Vénus maison 12, excusez-moi. Plus Vénus maison 12, c'est intéressant ce que j'ai fait, j'ai enlevé mes lunettes. Au moment où j'allais parler de ça, j'allais parler de mensonges. Vénus en maison 12, c'est aussi les personnes qui vont se retrouver dans une relation où l'autre, l'amant ou l'amante, n'est pas disponible. Une relation extra-conjugale. Mais dans la mesure où je ne vis pas le quotidien, bah forcément je suis idéale. Forcément je suis idéalisée. La maîtresse, elle est toujours idéalisée par rapport à l'épouse, même si elle souffre, parce que l'autre n'est pas là, l'autre n'est pas présent, l'autre est absent. On dit toujours que c'est l'absence qui crée le désir, mais c'est aussi le jardin secret. Vénus en 12, elle donne l'imaginaire autour de la personne. C'est-à-dire, je vais fantasmer une personne, je vais m'imaginer le meilleur avec elle, mais en fait, si je vivais avec elle, peut-être que ça serait une catastrophe. Et on est très loin du quotidien. Avec Vénus carré Neptune, on n'est pas du tout dans l'amour au quotidien. On est dans quelque chose qui est absolu et justement qui ne peut pas descendre dans la matière parce qu'il est trop absolu. Pour ça qu'il y a un carré. Alors ce carré Vénus Neptune me fait aussi penser à des personnes
qui vont fantasmer le prince charmant. C'est peut-être plus féminin que masculin, je m'excuse auprès des dames, même si on peut retrouver dans le masculin le fantasme de la relation absolue. Mais en règle générale, les hommes sont un petit peu plus pragmatiques sur le sujet et les femmes un peu plus idéales. Et donc, si je fantasme le prince charmant, j'ai beaucoup de mal quand je suis confrontée à la réalité. Et là, je vais avoir un choix. Ou je mets à l'épreuve cette idée du prince charmant et je l'incarne dans la matière. Et donc, je vais plus vivre sur un mode Vénus, un mode réel, un mode affirmé, un mode sexualisé, un mode érotique. Parce que dès qu'il est question de Vénus, ça va me ramener à la chair. Ou alors, je reste dans l'idéal, l'idéalisation. Mais à ce moment-là, dès qu'il va y avoir passage de la relation dans le réel, ça va venir se fracasser. Et on voit comme ça des personnes qui sont amoureuses d'une autre, mais qui n'ont pas fait d'acte positif engagé pour que la relation se déroule dans la chair, dans la réalité. Donc ça reste au niveau de l'idéal, ça reste au niveau des brumes. Et ce carré, il vient me dire, voilà, maintenant tu as le choix. Parce qu'on ne peut pas tout être, on ne peut pas tout avoir. Si je ne peux pas être dans un amour absolu, si je ne peux pas connaître l'amour absolu, ben, ou j'accepte de revoir mes ambitions et j'accepte de revoir l'autre dans ce qu'il est, avec tout ce que ça a de génial, de grandissant, mais aussi de limitant, parce que la vie de couple ou la relation à l'autre, c'est pas toujours évident, mais c'est dans la réalité. Ou alors je reste dans un monde neptunien, un monde désincarné. Est-ce que c'est le but de l'incarnation de vivre des choses totalement désincarnées? C'est ça que Neptune vient me raconter. C'est que je suis à un moment donné un être de chair. Et ce qui ne passe pas par la chair, donc ce qui ne passe pas par l'en bas, eh bien, ça ne fait pas forcément sens au regard de Neptune. C'est-à-dire, Neptune vient m'envoyer un idéal. Qu'est-ce que je vais faire de cet idéal? C'est ça la question que Neptune vient me poser. Il vient m'interroger. Alors, l'autre aspect de Neptune carré Vénus, il vient me parler de souffrance. Il vient me parler de douleur. Il vient me parler de traumatisme. Il vient me parler aussi, d'une certaine manière, de mémoire traumatique. C'est pas évident. Ça va nous entraîner trop loin si je continue, parce que je vais faire une vidéo plutôt courte, mais un des enjeux de l'incarnation, un des enjeux de mon thème astral, c'est de le traverser, de le pénétrer. C'est-à-dire que toute douleur, toute épreuve, et Neptune, il va en mettre un certain nombre sur mon chemin, c'est une invitation à dépasser cela. Il va me fournir une matière première que je vais devoir alchimiser. Autant dire que c'est pas facile. Parce que quand je suis confrontée à la douleur, que ce soit la douleur physique ou la douleur morale, c'est terrible. Et comment je vais pouvoir puiser en moi une réalité, une distorsion, une guérison? Neptune, c'est aussi la médecine, hein, celui qui guérit. C'est le thérapeute, c'est la maison 12, c'est l'hôpital, c'est aussi l'enfermement. Il vient me donner du matériel pour accéder à une réalité multidimensionnelle. Une réalité qui fait que est-ce que je vais me définir par rapport à mes douleurs, à mes souffrances, ou est-ce que je suis invitée à les traverser, regarder au-delà. Et donc, pour regarder au-delà, ben, il faut que je me connecte sur le sacré. Ok? Très bien. Mais et l'incarnation? Et c'est là où il y a une espèce de navette que Vénus, l'alliance de Vénus à Neptune, permet. C'est une espèce de navette. Neptune, il m'amène à monter vers des idéaux transcendantaux. Il m'amène à accéder à la part spirituelle de moi-même. Mais si c'est uniquement pour le vivre dans l'en haut, c'est pas complet. C'est-à-dire que c'est une belle image. Je suis au sommet de la montagne, c'est très bien. Je suis en train de méditer au sommet de la montagne. Ok, parfait. Je suis dans l'idéal. Mais ce que je suis invitée à faire, c'est à redescendre cette spiritualité dans l'en bas, dans mon incarnation. C'est-à-dire que l'idéal sur Vénus, Neptune, c'est pas une spiritualité qui est coupée du quotidien. C'est pas une spiritualité qui est coupée de la chair. C'est une spiritualité qui en même temps est invitée à monter et une spiritualité qui est invitée à descendre. C'est-à-dire que si je suis un être spirituel, mais que je n'arrive pas à alchimiser mes douleurs, que je n'arrive pas à être un citoyen de la Terre, que je n'arrive pas
à m'améliorer sur ce que j'amène au monde, à travailler sur mes problèmes, sur mes difficultés, sur mes complexes. Ben, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est-à-dire qu'en théorie, si je suis seule sur ma montagne, je suis un être, ok. Je suis un être profondément spirituel. Mais l'âme, elle le sait. La difficulté, elle n'est pas là. La difficulté, elle va être comment dans mes actes de tous les jours, comment vis-à-vis de mes proches, comment vis-à-vis de mon travail, comment vis-à-vis des personnes que je reçois, je vais pouvoir incarner cette spiritualité. Ça va se traduire aussi par une question d'éthique. Alors l'éthique, j'en ai beaucoup parlé par rapport à Saturne, qui est une norme de valeur. Mais on le retrouve avec Neptune. C'est-à-dire que si j'ai un idéal du moi, si j'ai une vision spirituelle, ce que je vais apporter à l'autre, dans le cadre de mon travail, ça réfère au don, même si je suis payée, il y a quand même quelque chose que je vais donner qui est le meilleur de moi-même. Quand je reçois des personnes, par exemple, en rendez-vous, pour des thèmes astro ou des révolutions solaires, il y a non seulement le travail que je fais payer, c'est clair, mais si, par exemple, il y a un travail, il y a quelque chose en plus que je vais offrir, il y a quelque chose d'une conscience dans la compréhension des conséquences de mes mots. Il y a une bienveillance. Ça, la bienveillance, elle est inscrite en moi. Elle est liée à Neptune. Quand vous recevez, par exemple, vous êtes thérapeute, vous avez une empathie par rapport à l'autre, vous avez une vision, comment dirais-je, bienveillante. Ça, c'est Neptune. Ça, on ne peut pas le faire payer. C'est-à-dire, vous faites payer votre temps, vous faites payer votre compétence pour un domaine, mais cette idée de l'idéal de l'autre, qui est complètement neptunien, peut pas le quantifier. Cela est. C'est une qualité intrinsèque à vous. C'est quelque chose qui grandit. Ça vient nous parler de croissance. Ça vient nous parler d'idéal du moi. Ça vient nous parler de choses qui sont profondément inscrites en nous, qui est l'idée de faire le bien. Alors j'en ai parlé hein, dans une vidéo que l'idée de faire le bien peut devenir dangereuse. Avec un carré Vénus-Neptune, il y a ce risque. C'est-à-dire, si je suis obsédée par l'idée du bien, sans le vouloir, je peux faire le mal. Mais si je le sais, je peux me reconnecter sur l'idée du juste. Parce que Vénus-Neptune, ça nous offre des idéaux spirituels. Mais est-ce que je peux les atteindre? Pas forcément. Je suis pas un être transcendant. J'ai un être qui a de ses qualités, ses défauts. Mais c'est ça la beauté de la chose. C'est-à-dire que c'est cette humilité. C'est dire, ok, lorsque je passerai de l'autre côté, j'aurai totalement l'idéal spirituel, je serai complètement dans la transcendance, mais dans l'ici et maintenant. Il y a quelque chose que je ne peux pas incarner. Il y avait un penseur hein, qui disait, en fait, l'amour divin, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Alors les personnes qui ont reçu l'illumination, les personnes qui, à un moment donné, reçoivent la lumière, elles accueillent la lumière du divin, et elles diront toutes la même chose. Un, ça a changé ma vie, c'est-à-dire je me suis connectée à l'amour absolu pendant quelques instants, un fragment. C'est un cadeau immense que j'ai reçu, mais ça n'a pas tenu. C'est-à-dire je peux garder le souvenir de ce qui s'est passé, je peux en parler, je peux en être bouleversée, mais dans ma réalité terrestre, ça n'a pas tenu. Mais peu importe parce que c'est profondément beau. Le transit, j'ai envie de dire, Vénus-Neptune, c'est le coucher de soleil sur la mer du Pacifique. Voilà. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Comment vous voulez décrire un coucher de soleil à quelqu'un qui, par exemple, est aveugle? Vous allez lui parler des couleurs, mais s'il ne connaît pas les couleurs, ben, c'est un peu pareil, en fait, quand on est dans l'incarnation. C'est comme si Neptune, il venait nous parler de quelque chose qui est au-delà de l'incarnation. Et je serais un peu comme un aveugle à qui on parlerait d'un magnifique coucher de soleil avec un superbe rayon vert sur une plage du Pacifique. Quelque chose de déroutant. Et pourtant, dans ce qu'on me raconte, il y a quelque chose qui m'élève. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai pas l'entièreté de la révélation que je peux pas me connecter sur quelque chose d'une forme de beauté et je ne peux pas recevoir un éclat de lumière. Neptune-Vénus, je viens de parler d'un éclat. Un éclat de lumière éminemment précieux.
Alors, Neptune-Vénus, ça vient me parler aussi de créativité. Ça vient me parler de choses joyeuses. Avec ce carré, est-ce que je vais accepter la joie comme un des principes de la spiritualité? Ou est-ce que je vais continuer sur une spiritualité qui, parfois, est un peu culpabilisante et parfois est un peu lourde? Enfin, ça pose beaucoup de devoirs, d'obligations et parfois même avec des systèmes de pensée un peu répressifs. Alors, certains domaines de la spiritualité mènent carrément au mortifère. Je pense notamment aux sectes, avec ce carré Neptune-Vénus. A fortiori, si vous l'avez dans le thème de naissance, faites attention quand même aux personnes que vous suivez. Les gourous qui viennent aussi nous détruire. Il y a une forme d'effondrement, une forme d'épuisement, il y a une forme de désillusion. Il y a aussi une forme de dépression. Neptune-Vénus en carré, c'est aussi le déplaisir. Et pourtant, dans la spiritualité, la chose qu'on peut aller chercher, c'est la joie. C'est ce qu'a un enfant qui vient de naître, c'est la joie. Et ce n'est pas la joie parce qu'on possède quelque chose. C'est la joie parce que simplement, on est en vie et on s'éveille au monde. Et un enfant qui reçoit suffisamment d'amour, qui est suffisamment nourri, qui reçoit ses besoins, eh bien, il va être tout simplement joyeux. Eh bien, cette joie première, c'est une joie très spirituelle, elle est de l'essence de Vénus-Neptune. Et ça, c'est important de garder, a fortiori quand on est un être spirituel, cet espace de joie, cette espèce de valeur. C'est-à-dire que si je ne me connecte pas à certains moments sur la joie, si je suis uniquement dans une forme de répétition, une forme de sacrifice, je ne serai pas forcément aligné sur les énergies du Verseau, qui sont des énergies qui sont en train de nous raconter que la vie vaut la peine d'être vécue, mais à condition que je le touche du doigt. C'est-à-dire, je vous invite à faire des parenthèses, comme moi-même je peux en faire, de un jour ou deux ou trois jours, rarement plus d'ailleurs. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des grandes vacances, vraiment exception. Quand je pars dans certains voyages, et encore j'amène toujours du travail avec moi. Mais c'est important d'avoir ces parenthèses pour se connecter, pour se relier, parce que c'est ça qui va donner le sens, mais en termes de plaisir. Si il n'y a pas cette dimension de plaisir, à un moment donné, je vais me demander qu'est-ce que c'est que l'existence? Pourquoi je vis ça? Parce que les épreuves, elles sont là pour tout un chacun. Mais cette notion de plaisir, il m'amène aussi à grandir. J'étais quelqu'un précédemment qui était beaucoup dans la souffrance. Je traversais une très grosse dépression nerveuse. J'ai eu des épreuves de vie assez marquantes. Et je ne savais pas ce que c'était que la joie. Et un jour, j'étais à Florence. C'est la première fois que je suis allée à Florence. Et je me suis fait rattraper. Je me suis fait rattraper par la beauté. Et cette beauté-là, elle m'a transfigurée. Et je me suis dit, eh bien, c'est parce que je suis en vie que je peux vivre cet instant. Et c'était très transcendant. C'était très transcendant parce que j'étais allée sur la montagne, j'avais regardé Florence du haut, du promontoire, et il y a quelque chose qui m'a sauté au visage quand je suis redescendue en bas, sur le pont, où j'ai traversé le pont, où j'ai traversé le fleuve, où j'ai traversé, pour passer de l'autre côté, c'était presque un passage où je me rec suis reconnectée sur la joie et sur la vie. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais fait redescendre une énergie spirituelle du haut qui est neptunienne dans l'incarnation. Et ce passage-là, il m'a amené à une forme de rupture. J'ai compris que j'étais trop dans le spirituel, pas assez dans l'en bas, et que l'en bas, j'avais une certaine défiance et une vision non joyeuse de l'en bas. Et cette journée, elle a complètement changé ma vie. Je me suis mis à organiser des méditations de groupe. Je me suis mis à utiliser vraiment les énergies du haut pour les faire descendre. Et du coup, ça a ouvert des portes intérieures, des portes personnelles. Et c'est aussi une partie du travail que je fais quand des personnes viennent me voir, aussi bien que ce soit en astrologie ou dans d'autres domaines que je pratique, hein, que ce soit des méditations guidées ou des annales akashiques, c'est d'ouvrir cette abondance des bonnes choses. Parce que c'est simplement en ayant aussi la conscience, l'acceptation, l'accueil,
que je peux recevoir dans le réceptacle que je suis dans l'en bas, ces énergies divines. D'ailleurs, je reste persuadée que nous sommes profondément aimés par la source et que la source complote pour que nous soyons heureux. Et c'est nous, quelque part, avec nos schémas, nos visions limitantes, nos sabotages, conscients ou inconscients, et le plus souvent c'est inconscient, il ne faut pas s'en vouloir de ça. Eh bien, nous bloquons quelque part ces influx divins qui ne demandent qu'à se déverser sur nous. Et la somme des personnes pour qui c'est bloqué va assombrir nos sociétés. Je pense que s'il y a un monde à venir, ça passera par une révolution intérieure. Ça passera par, c'est ce que disent les sages, hein, pour changer le monde, change-toi toi-même, c'est Gandhi. Mais ça passera par une vision beaucoup plus joyeuse de l'être, beaucoup plus légère. Au même titre que l'enfant se connecte sur la joie, je pense que c'est notre capacité à nous reconnecter sur l'enfant intérieur qui est très guérissant, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde dans lequel nous vivons. Et avec ce carré, en fait, dès que deux planètes sont en contact, eh bien, on est invité à utiliser ça. Et ça va permettre de se défier des mauvais côtés de Neptune qui peut assombrir la chair, qui peut nous faire venir dans une forme de mortification, une forme de maltraitance de la chair, comme c'était le cas, par exemple, dans les religions précédentes. Donc, je voyais des systèmes comme le calice, comme la souffrance, les autopunitions, les pénitents, quand on s'auto-fouette, quand on s'auto-flagelle, quand on martyrise la chair, c'est du Vénus carré Neptune. Mais il y a peut-être autre chose à comprendre. C'est que si le divin a voulu que nous ayons un corps, c'est aussi pour en vivre, c'est aussi pour en exulter aussi. Et là, on rejoint des pratiques un peu plus ouvertes, un peu plus tantriques et un peu plus sensuelles. Parce que si j'ai un corps, eh bien, c'est aussi ma réalité. Je peux pas vivre comme si je n'avais pas de corps. Et dès que une religion ou une croyance occulte l'idée du corps, il y a quelque chose qui est décalé. Et Vénus carré Neptune vient parler aussi de ce décalage. Faire très attention, parce que Neptune, c'est la compassion. Et certaines positions très religieuses, ça vient heurter aussi l'idée que je me fais de la compassion, parce que je suis trop dans Neptune. Et j'oublie la réalité de la chair. Si j'oublie la réalité de la chair, j'oublie la réalité de la souffrance. On entend des personnes dire, il vaut mieux une souffrance physique que morale. J'ai envie de dire, vous ne savez pas ce que c'est que la souffrance physique, parce que c'est terrible. Il faut avoir connu ça pour savoir à quel point c'est douloureux. C'est difficile. Ça peut être aussi des personnes qui vont souffrir, hein, si j'ai ça dans mon thème de naissance. Mais pas que. C'est pas forcément systématique. Ça ne veut pas dire forcément une souffrance physique, hein. Ça peut vouloir dire aussi une souffrance psychologique, une forme d'asservissement, une forme d'emprise. L'autre devient un gourou. Il y a une espèce d'emprise affective sur le côté négatif. Par contre, si je rentre dans le côté positif du carré, eh bien, je vais le transcender, je vais en faire un trigone. Il va muter. Et à ce moment-là, c'est une période très positive pour recevoir des influx, des intuitions, des compréhensions. Et faire la paix avec moi-même. Dès que j'ai un carré, mais que j'ai une conscience, que Neptune aussi, hein, c'est la conscience, eh bien, je vais pouvoir m'ouvrir à un changement intérieur qui va se projeter sur l'extérieur. Je vais transformer le carré, je vais l'alchimiser. Et du coup, ça va m'amener quelque chose de très positif à moi et aux autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Vénus carré Neptune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien vous avez le lien dans la description. Je serai ravie de vous accompagner à travers le cheminement de vos étoiles. Bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.